maple tree, a country house and a family. We can have that beautiful life. Well, it might be a whiskey talking, might be the world, but I won't be mad when I'm someone I can settle down with. One more life, one more life. Only darkness till you came around. Now I've been crying. Oui, eh bien, bonjour, je m'appelle Alain, je suis membre de l'association CLD 72, une section de l'ASL. C'est un club de country qui a été créé il y a 14 ans par des passionnés de la musique country. C'était des musiciens au départ, et puis après, les musiciens, ils sont passés danseurs. Alors, les profs font des cours aussi bien pour les débutants, les novices, les confirmés. Des cours qui se déroulent au CE Renault, le mardi et le jeudi. On a deux fois le mardi 1h30 et deux fois le jeudi 1h30. Alors les cours, ce sont des cours de danse en ligne, des cours de danse en couple, en contrat, comme on voit derrière, ou en ronde. Et ça nous permet, disons, d'être dans la convivialité en permanence. Alors notre club participe à des animations, comme aujourd'hui la course des filles et des garçons de café. Actuellement, une centaine de membres actifs. Alors ça va de, disons, 18 ans jusqu'à 75 ans. Il y a un peu tous les âges pour danser la country. Très bon pour la mémoire. C'est bon, dégoupillez, versez, et après vous vous rendez vers le départ. Attention, je crois que là, il est là le départ, hein. Vous allez pouvoir rentrer là, juste là. Voilà, quand vous êtes prêts, vous y allez, vous rentrez, vous faites attention, ne pas trop vous bousculer de la course des filles et des garçons de café. Hein. Faut décapsuler du dedans. Ouais, c'est bon, ça a l'air. Thank you.
péché. Pas une guerre ne fera durer lorsque la guerre et l'amitié et la musique nous feront chanter. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson. Et on se encourage mutuellement. Parce que... En combien de temps? 16 minutes, je crois. Ça va, bien, ça va. Ouais, franchement, ça va. Mais ouais, c'était compliqué, parce qu'une fois qu'il y a du liquide sur le plateau, ça glisse. Et... Mais après, il restait juste un verre qui était rempli, donc je me concentrais que dessus, et puis ça allait. C'est lui, le principal, c'est participer. Ouais, carrément. Et puis on a gagné, donc ça endormi, ouais, c'est ça. Et le deuxième, alors, il en pense quoi? Bah, fier de faire cette course de garçon de café. Ça fait des années qu'on m'en parle. Donc c'est toujours un plaisir de la faire. Ouais, et puis faire un première et deuxième place avec un ami sur la première en plus, qui est donc 25 ans qu'on n'a pas fait cette course. Donc ça fait un plaisir. Ouais, bon, sur la manifestation, sur le fait que on est avec Philippe Guider qui a été à l'origine de cette initiative, renouer avec une course des garçons de café au centre-ville. Ça participe à l'animation du centre-ville, c'est toujours le même objectif. Et puis. C'est une course sympathique, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de choses de renversées, mais ça met les garçons et les filles eh bien, à la course dans le centre-ville. Donc, c'est une très belle initiative. Philippe a donc remporté cette course eh bien, des filles et garçons de café. Eh bien, c'est Lucas Lesourd. Ouais. Bravo alors. Il faudrait que je garde ces établissements. Alors, le Venez a fait très fort puisque celui qui prend la deuxième place, également le Venez, Kevin Charlot. Alors, la troisième place est prise par Victor Duchem, le Barouf. On va bien sûr passer maintenant aux serveuses avec la première place pour Harmonie Chevrel, la bourse. La deuxième place pour Laura Lonnet, l'avant-première. Laura, là aussi, la voilà, Laura. Bravo! C'est Laura, l'avant-première. Alors, alors, la troisième féminine, Emily Benzung, la Villa.
Bravo, 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 bravo. Quentin le chat, le bistrot. Quentin le chat. Pour une première depuis 27 ans, c'est quand même une réussite aujourd'hui. Ah, non seulement c'est une réussite, mais c'est une réussite pour tout le monde. C'est une réussite pour les participants, c'est surtout nous, c'est une réussite pour tous les bénévoles. On avait 80 bénévoles, globalement dans tout. Pour les trois sociétés, les trois animations que nous avons eues en cœur de ville, et pour les participants et participantes. Oui, on peut dire que c'est une réussite pour une première. Combien de participants ? Alors, en inscrit, on avait 49, je crois, parce que j'ai pas tout vu. On est à 39 de participants, ce qui est déjà bien pour une première. Participants, évidemment. Le résultat, si on regarde ce qui s'est passé tout le long du parcours, beaucoup de monde, Manceau, Mancel, touristes. Donc, c'est une opération qui a été diffusée, qui a été relayée, et surtout qui a donné de l'envie de venir la voir. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de venir la voir et de soutenir les participants et les participants. A-t-elle été difficile de la mettre en place ? Oui, c'est jamais un long fleuve tranquille quand on fait du bénévolat. Le bénévolat, il faut avoir des convictions, de la passion. Et quand on a de la passion, on soulève des montagnes. Rendez-vous l'année prochaine ? Ah, c'est plus que l'année prochaine, c'est pour les années à venir, parce que c'est quelque chose qui a commencé aujourd'hui et qui, comme j'espère, durera au moins 27 ans. Ce ne sera pas moi, mais il y aura les personnes qui seront plus jeunes qui prendront le relais. Il n'y a pas de souci.